Stay in the cut on the north side. Hella points, trigger fingers on my fucking foe. Five demons rising out the crypt. I smoke me a fat line, never gave a fuck. Grew up by the mud, pull up, then I pop the trunk. Grew up with the fucking robbers, always kept the mask on. Motherfuckers gon' die if we keep the mask off. Suicide when I ride, bitch, scarecrow to walk the shadow. Mozart with no piano, kill when I'm sleepy hollow. That mystic motherfucker that's addicted to prescriptions. Xanax for the panic, mental problems, you can add that. Multi-million own business, you just signed a deal, bruh. 3 years past, still broken, you ain't paid up. Dollars I ain't touched yet, burning for the fuck of that. Infamous lunatic, you just a bit. Cut up with the death wish, raised with the savage lift. Straight out the death pit to keep alive the triple six. Yo les amis, Porto 95 Gaming. Donc guide de duplication en solo, ok, voilà, moi j'ai ma petite ici classique, on va lui faire faire des petits afin de se faire de la maille, ok, en moyenne elle se revendra 1 600 000, 1 800 000, donc les prérequis, session publique, ça tombe bien, on n'est que deux, ok, il faudra avoir les paramètres, visée libre, et plus important que tout le monde oublie, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que glitch ne fonctionne pas, c'est avoir le type d'option en privé. C'est ceci aussi qui vous fera en partie réussir le glitch. D'accord. Ensuite, il faudra un PDG avec des activités en cours. Vous savez, lancement de mission quoi. Il faudra dans le bunker avec le centre d'opération sur module 3 et le véhicule que vous voulez dupliquer à l'intérieur. On aura besoin soit de la boîte de nuit. Voilà, moi j'ai mis une Elegy normale dans la boîte de nuit. Une voiture que vous voulez vous débarrasser. Vous pouvez le faire au complexe, ça fonctionnera aussi. Ok. Et un ami qui est dans un mode visé différent. Ça, vous n'aurez pas de mal à trouver. Il faut aller dans les communautés. La plupart des joueurs de GTA, 80%, ils jouent en visée assistée. Donc là, la première chose à faire, c'est qu'on va mémoriser la voiture qu'on veut dupliquer dans le centre d'opération. Vous rentrez à l'intérieur et vous sortez. Là, vous laissez la voiture ici. Voilà, on laisse la petite porte ouverte. De là, vous faites start, croix, pavé tactile. Et on va aller à son PDG. Vous faites carré, croix. Vous allez valider le premier et refuser le deuxième. Voilà. Rentrer dans le bureau. Une fois ici, vous allez vous mettre en secure serve. Mettez ici. Voilà, moi c'est déjà fait. Donc si c'est déjà fait, on va faire le poteau de tout à l'heure. Vous validez le premier, refusez le deuxième, flèche de droite. Là on va aller dans les missions, on appuie sur croix, connexion, mission. Au moment où je vais lancer la mission, je dois avoir un message qui va apparaître, il faudra faire ok, ensuite il faudra ouvrir le téléphone et aller dans les mini activités rapidement, confirmer, hop, rapidement. De là on va attendre le petit bruit. Faut que vous entendez un petit clic.
Maintenant, vous connectez au PC. Connexion, lancer mission, confirmer. De là, faites plonger votre pote. Donc faut être assez rapide. Hein. Allez, on va recommencer. C'est parti. Rejoins une première fois. Je vais être le premier. Je refuse le deuxième. Flèche de droite. Je lance la mission. Hop, hop. Ok, j'ouvre le téléphone. Et je valide. De là, on va attendre le petit clic comme tout à l'heure. Alors tendez vos oreilles. Faut bien avoir le temps de lancer l'activité avant qu'il s'assoive, hein. C'est très important. Maintenant, ok, maintenant vous lancez la mission. Connexion, lancer mission, confirmer. Là, je vais faire jouer mon pote. Et là, je vais juste faire rond au message. Au premier message, je fais rond. De là, on est bugué. On va devoir attendre une quarantaine, cinquantaine de secondes que votre perso se lève et qu'il se rassoie. Si vous voyez que le temps vous paraît long, que vous attendez plus d'une minute, n'hésitez pas. Vous rejoignez votre pote, vous validez le premier message, vous refusez le deuxième et vous recommencez la manip. Voilà, là je fais flèche de droite, là je fais rond, flèche de droite, pour qu'il se lève. Donc de là je vous explique la manip. On va aller voir la secrétaire, on va ouvrir le téléphone, on va mettre le curseur sur l'icône des mini-activités. Ok. Voilà, j'ouvre le téléphone et on va se mettre ici, le curseur. Quand je vais faire croix, je vais être invisible. De là, vous fermez le périphérique des manettes. Ok, bon, je vous dis à tout de suite. Have a good day. Oh, hi. Vous remettez le périphérique des manettes et vous choisissez un busard. Et de là, on va se diriger à la boîte de nuit. Pour ceux qui font ça dans la boîte de nuit, vous vous dirigez au complexe. Vous n'avez pas de timing. Donc moi, comme j'ai laissé mon Elegy à l'entrée de service, on va se diriger à l'entrée de service, tout simplement. Je valide, je vais monter dans le véhicule et accélérer. Donc là, vous montez dans le véhicule et vous accélérez. Voilà, si ça a bien passé, vous êtes expulsé comme ça du véhicule. De là, on peut faire directement start, carte, pavé tactile et on va se re-téléporter au bunker. Rejoindre. On recommence. Oui, les premiers pour fuser le deuxième. Voilà. Donc là, vous rentrez dans votre centre d'opération. Enfin, dans le bunker.
Donc voilà, votre véhicule se trouve ici. Donc la première chose à faire, vous montez dedans, vous allez voir que la plaque elle va changer. Voilà. Là, vous redescendez du véhicule, vous rentrez à l'intérieur du centre d'opération. On va sortir par devant. Voilà, de là, vous pouvez sauvegarder le véhicule. Donc, je vais faire flèche de droite. Ça veut dire que mon ici d'origine est à l'intérieur. Il va se transformer à la boîte de, il va se transférer à la boîte de nuit. Donc là, je valide. Là, je vais ressortir le véhicule et je vais aller le vendre directement. Moi, je l'ai pas transformé à fond, donc je dois le revendre environ 1 600 000. Donc voilà, je le vends 1 500 000 et quelques mille parce que je l'ai pas transformé à fond. Donc là, je le vends. Et de là, vous allez voir comme quoi, si j'appelle mon mécano, bah j'ai toujours mon ma ici d'origine dans la boîte de nuit à l'entrée de service. What you need, boss? Some wheels? I can bring them around. Voilà, ici, elle est là. Ok, les poteaux. Ok, I got stuff to do. Donc, j'espère que la vidéo elle vous aura plu, les poteaux. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et tchuss, les poteaux.